Les réserves émises par la commission d'enquête sur la future ligne de tramway Garonne sont relayées par un collectif qui n'a pas la langue dans sa poche. Les trois réserves et les 10 recommandations démontrent que ce tracé est trop cher et ne correspond pas aux besoins des Toulousains, que ce tracé est dangereux, surtout au passage à niveau des Hauts-d'Ats de Sévrac, que ce tracé n'est pas d'un intérêt public extraordinaire parce que la densification ne pourra pas se faire, et tout un tas d'autres points. Le rapport nous donne raison, mais même si l'avis est favorable, les réserves disent dans des grandes lignes que ce tracé n'est pas bon. Une question nous taraude, ce collectif est-il de droite ? L'association ne représente aucune étiquette. Nous avons des gens de gauche, de droite, de n'importe quel bord, je ne le sais même pas parce qu'en fait on n'en a même pas parlé. La ligne G, une nouvelle polémique à suivre.